Je suis Genius. La décision boursière. C'est Genius. J'achète l'euro dollar. Voilà la stratégie. Bonjour. Je suis Genius. La décision boursière. C'est Genius. J'achète l'euro dollar. Voilà la stratégie. Toi qui aimes effectivement The Late Luc Monet Show, bienvenue dans cette émission qui est la tienne. Ce soir, on se détend, c'est mardi soir. Le mardi soir, on se détend. Je suis en train de regarder le plan qu'il me fait dans la caméra. On est avec un pro. Bah là, ça se discute même pas. Là, on est avec un pro de la caméra. Comment allez-vous ce soir? Comment ça va? En tout cas, ce soir, vous avez vu, il y a du beau matériel sur le plateau. On va vous en parler. En tout cas, tu peux pas... Donne-moi ça. Mais c'est pas possible. Voilà, regarde, c'est moi qui fais tout encore ce soir, regarde, voilà, comme ça. Merci monsieur. Allez, big screen, on prend la caméra PTZ, c'est plus facile. En tout cas, bienvenue à vous ce soir, vous n'êtes pas assez nombreux, on voudrait vous voir plus nombreux. Une émission en tout cas intelligente, une émission qui devrait vous plaire, une émission qui devrait en tout cas parler à la plupart d'entre vous, que vous soyez jeune, pas jeune, presque jeune, plus que jeune, pourquoi pas aussi... Ceux qui veulent commencer l'expérience du day trading, on va parler des choses qui marchent, des choses qui ne marchent pas. Je vais m'adresser à mon fils d'abord, il est là, vous ne le voyez pas, on verra tout à l'heure si on le voit ou pas. Il s'appelle Hugo, il veut faire du trading et il veut vivre du trading. Donc j'ai trouvé que c'était un thème d'émission qui était plutôt pas mal. Il vient de passer son bac, il l'a réussi et il m'explique que maintenant les études ça le gonfle un peu et qu'il veut faire une pause et qu'il veut s'essayer au même métier que papa pour voir si lui y arrive ou pas. Et peut-être plus tard faire autre chose. En tout cas, pour le moment, je n'ai pas trouvé que c'était une mauvaise idée, mais je connais mon fils et je connais son caractère et je sais que lui inculquer les bonnes manières, ça n'a pas toujours été facile. Mais là, apparemment, il se prend au jeu et il a effectivement envie. Voilà, bonjour Hugo. Il y a Oussama qui te connaît. Tu connais aussi Oussama. Il te fait un petit coucou, Hugo, dans le chat. N'hésitez pas. Il a 19 ans et il est effectivement maintenant prêt, apparemment, à vouloir rentrer dans les... sur les marchés financiers. On va parler bien sûr à tout le monde, on va parler à tous les gens qui sont intéressés par les marchés financiers. C'est mardi soir, on se détend. Bienvenue, vous êtes dans The Late Luc Monet Show. C'est parti. Test micro, 1, 2, 1, 1, 2, voilà, bonjour à tous. Le gain micro un peu faible, j'ai pas d'ampli. Les loulous, il va falloir que vous vous équipiez. Je vous demande pas d'avoir un Dolby Sound stéréo. Je vous dis simplement qu'a priori, il va falloir s'équiper. Est-ce que le son est OK chez vous? Dites-moi si le son est OK chez vous. Est-ce que c'est OK là-haut? A priori, c'est bon, vous ne râlez pas. Donc, a priori, ça va être pas mal. Une excellente émission en tout cas. On attend beaucoup plus de monde dans cette émission, une émission sérieuse comme à l'habitude. On va parler trading et on va parler bien évidemment aux gens qui veulent s'initier au trading et en particulier aux plus jeunes. Je sais que si j'avais fait venir deux nanas en maillot de bain sur une caisse qui était rutilante, ils auraient été forcément là. En tout cas, aujourd'hui vous y êtes et c'est le principal. On va parler bien sûr aux jeunes, mais aux moins jeunes. On va sortir du cliché de la chèvre qui présente un Ali qui a gagné 3000% en deux jours et demi. On va rentrer dans quelque chose qui est beaucoup plus conforme à la réalité et on va déjà se poser la question de savoir si on est pour ou contre. Ah, comme ça, au moins, c'est réglé. Pour ou contre? Est-ce que moi, quand mon fils est arrivé et qu'il m'a dit Luc, papa plutôt, parce que Luc, il ne m'appelle pas Luc fort heureusement, mais papa, est-ce que véritablement je peux faire du trading? Tu veux m'apprendre et ainsi de suite. La relation, en tout cas familiale, autour de l'argent a toujours été un petit peu tendue. Là, pour le moment, il veut s'y mettre sérieusement, mais ça demande beaucoup
d'efforts parce que la finance n'est pas acquise pour tout le monde. On va parler finance, on va parler mathématiques, on va parler logique, on va parler aussi de ce qui se passe sur les réseaux sociaux, on va parler de tout ça. Est-ce que vous voulez vous taire là-haut? Parce qu'ils n'arrêtent pas de jacasser comme une basse-cour. Sinon, je prends la caméra et je viens montrer la plateforme de broadcast là-haut. Voilà. Alors, on va d'abord parler des choses qui sont assez faciles à comprendre. La première, ce que dit la loi. Alors, la loi, elle dit, c'est pas compliqué, on peut faire du trading à partir de 18 ans. La majorité, dans la plupart des pays européens, bien évidemment. Comme ça, au moins, c'est réglé. Non, c'est pas papa comment on fait les bébés, c'est papa comment on fait des petits. Mais pas des petits bébés, des petits en tout cas, des petits sur les marchés. Est-ce qu'on peut augmenter un tout petit peu le son là-haut? C'est le deuxième qui lui demande de mettre un petit level un petit peu au-dessus. Tu peux aussi tourner ton petit bouton, comme ça au moins ça fera du son un peu plus fort. En tout cas, ce que dit la loi à partir de 18 ans, en tout cas, c'est dit. Ce que dit le bon sens. Trouve-toi d'abord un travail. Et c'est ma première réaction, bien évidemment. Qui dit pas de capital, dit pas de gains suffisants pour pouvoir en vivre, se payer son appart, le loyer, entretenir sa famille, donner à manger à tout le monde. Bien évidemment, la première réaction, c'est de dire... Clairement, on va trouver un travail. Lui, non, il veut déjà faire une pause et il veut s'y mettre. En même temps, il baigne dedans depuis plus de 20 ans, il me voit faire, forcément, il a envie. C'est évident. Alors, qu'est-ce que vous pouvez faire, vous, parents, pour lui ou pour elle? Bon, je sais que vous êtes très attentifs. On va se poser les bonnes questions. Qu'est-ce qu'on peut faire pour lui ou pour elle? On va d'abord lui apprendre ce que c'est que la difficulté de gagner de l'argent. Lui expliquer que l'argent, ce n'est pas un truc qui pousse sous le sabot d'un cheval, mais que quand on est jeune, on a tendance à croire que c'est hyper facile, alors qu'en définitive, gagner de l'argent, ça n'est pas si simple. Ça, c'est la première chose. L'argent, il va falloir aussi le démystifier à l'école comme à la maison. On a tous été éduqués en nous disant que l'argent, c'est uniquement fait pour pouvoir s'habiller et manger. Mais ce n'est pas que ça au final, bien évidemment. L'argent, ce n'est pas que ça, fort heureusement. Si gagner de l'argent, ça exclut le principe de se faire plaisir, ça n'a aucun intérêt. Alors, je te vois venir. Évidemment, tu as tendance à croire tous les espèces d'abrutis qui, sur Internet, te vendent la liberté financière. Ou alors, celui qui a acheté 3 appartements avec 10,50€ à Mars et 100 balles et qui te dit que maintenant, il est rentier à 20 ans. Ça n'a jamais existé, lui. On n'est jamais parti d'en bas, sans gratter, sans même avoir eu une chance au tirage, avoir 6 appartements et vivre rentier. Ça n'existe pas. Ou ça n'existe pas parce que la banque ne prête pas. Ou quand elle prête, c'est parce qu'elle a des garanties. Même si elle hypothèque, forcément, elle ne va pas te prêter de manière incommensurable, de façon effectivement à prendre un risque majeur. Ça n'existe pas. La théorie de « je m'achète un appart, je le loue et mon loyer rembourse aussi mes primes », ça ne vaut que pour 10% des gens qui ont bien acheté. Les autres, malheureusement, payent à un prix de marché avec les taux d'intérêt de la banque et compagnie. Forcément, ce n'est pas génial. Bref, tu lui expliques les choses correctement et surtout, tu vas lui expliquer les choses suivantes. Alors, à mon époque, alors ça y est, once upon a time, on a l'impression que c'est des années 60, tu sais. Je ne suis pas des années 60, je suis un peu plus vieux, heureusement, grâce à Dieu. Non, mais pourquoi Luc 60, c'était bien? C'est vrai, c'est les plus belles années, 60, 70, 80. Il n'y a pas mieux, il n'y avait pas de Covid, il n'y avait pas toutes ces saloperies et c'était plutôt pas mal. Bref, allez, Luc, tu t'égares. À mon époque, quand je regardais la télé, mes parents et les deux étaient à l'unisson. Quand ils me voyaient regarder la télé plus que de raisonnable, ils venaient me voir en me disant « Souviens-toi, Luc, que ça n'est que de la télé. » Ah, je ne sais pas si vous l'avez entendu de votre côté, mais moi, on est venu rapidement me mettre en garde en me disant « Ce que tu vois à la télé, derrière le petit écran, ce n'est pas la réalité. Donc, il va falloir que tu comprennes qu'il y a une partie fiction. » Enfin, à l'époque, on ne me disait pas ça comme ça. On me disait « C'est des acteurs, ils jouent un rôle, c'est un film. Les gens qui sont morts ne le sont pas vraiment. Le sang, c'est du ketchup. Et l'alien qui arrive, c'est simplement une marionnette. » Et en gros, si vous faites le rapport avec aujourd'hui ce qui se passe, on est dans le même principe. Quand vous vous levez, vous avez une télé. Quand vous vous couchez, vous avez une télé. Il y a à peu près 7850 télés. Le problème des jeunes, c'est qu'ils sont sensibles. Et quand je dis sensibles, c'est que ce n'est pas des mauviettes, c'est que ce sont des personnes, des jeunes personnes qui sont malheureusement influençables. Et bien évidemment, les pires de notre profession en profitent aisément et vont leur raconter des salades à travers tout un tas d'artifices qu'on démystifiera de toute façon tout à l'heure. Et vous allez comprendre que pour l'aider, votre enfant ou la personne que vous connaissez qui veut se mettre sur les marchés, il va falloir l'amener à la réalité et pas l'emmener n'importe où, ça c'est clair. Maintenant, il y a des milliers de télés devant nous. Et pour n'importe quoi. Alors évidemment, on parle souvent du porno, qui n'est plus du porno. Le porno, aujourd'hui, c'est habituel. Il n'y a pas une pub, il n'y a pas... Maintenant, c'est n'importe quoi, ça part dans tous les sens, le yaourt et ainsi de suite, où il n'y a pas une nana toute nue. C'est comme ça, c'est l'époque, vous direz les gens. Mais concernant l'argent, il y a une fausse
vraie identité qui dit que l'argent est protégé par des systèmes d'État, des banques, des ESMA, des AMF, la police. Mais ce n'est pas tout à fait ça en définitive, surtout qu'il y a un rapport entre le niveau que tu dépenses, celui pour lequel tu t'es fait arnaquer et celui sur lequel tu vas engager une procédure de recouvrement pour escroquerie. Et tout le monde a calculé ça de manière correcte. Vous allez voir, c'est assez facile. Clin d'œil en tout cas aux haters sur Twitter qui n'arrêtent pas d'attaquer bien évidemment ce que nous faisons comme d'habitude, qui bossent pour la chèvre et qui croient sincèrement que la chèvre a 40 000 vues en deux jours, mieux que Trump pour diffuser un contenu dangereux car rempli de faux espoirs, une victime parle aux victimes. Enregistrez-le, ramenez-le à la réalité, vous allez voir que j'ai raison. Une victime parle aux victimes. C'est quand même comme ça que tu peux taper le jeune. Ah bah pour taper le jeune, tu te fais passer pour un jeune. Tu vas pas mettre un mec de 50 balais comme moi parler à un gamin de 19 ans. Hein, il va te dire l'ancien, tu me casses les bonbons. Sauf que c'est chez l'ancien que t'apprends. C'est pas chez le gamin qui pose son cul, la réponse elle est vite répondue sur un 4x4. Un mec qui est aussi jeune que l'autre, qui a autant d'expérience que l'autre. Moi des gamins qui sont sur internet, qui ont 20 ans, 18 ans et qui t'envoient leur stratégie de trading parce qu'ils ont été numéro 1 en France du Trading of the World of the Universe, ça pullule partout. Et c'est pas comme ça que ton gamin il va apprendre quoi que ce soit. Heureusement, le mien, il se marre. Maintenant, quand il les voit, il a compris que c'était des tordus et que leur intérêt n'était pas du tout de t'apprendre quoi que ce soit, même quand il te propose que ça soit gratuit, mais simplement te la mettre à l'envers. Si moi, je te prends des photos et que j'ai 20 ans et je prends une photo avec... je sais pas, moi, avec Messi ou avec les joueurs de foot les plus connus, tu vois que ton gamin, il va sauter en l'air, il va dire c'est ça qu'il me faut. Si jamais tu prends un gamin de 20 ans et que tu le mets dans un 4x4, ton môme, il en rêve depuis des années, forcément, il va être, lui, assujetti à croire l'abruti au volant d'un 4x4 qui n'est pas le sien. A-t-il ne serait-ce que le permis? Question. Il va croire le mec qui pose son gros cul sur une aile d'avion et qui va lui expliquer qu'il peut devenir milliardaire, une chance au grattage, une chance au tirage, mais qui lui apprendra jamais rien. Bah oui, parce qu'il n'a pas la base. Le mec qui essaye de lui apprendre, il n'a pas la base. La base qu'il a, c'est la base de rappeur de cité ou de je ne sais pas où qui va effectivement lui raconter n'importe quoi. Hein, en lui faisant croire que ni que l'école, ni que le système, c'est pas moi. Hein, ni que l'école, ni que le système, ni que les banques. Bah, quand tu fais le tour, bien évidemment, l'exemple, je l'ai déjà donné, c'est évident. Quand tu as un mec qui a une liasse de billets dans les mains, dis-toi qu'il ne peut rien foutre avec sa liasse de billets. Aujourd'hui, tu dépenses quoi? 500 euros? 700 euros dans un magasin. Le reste, tu peux pas. Le cash, c'est fini. Le cash, c'est fini. Quand on achetait effectivement avec des grosses sommes d'argent en espèces des choses, aujourd'hui, c'est terminé. Bah, aujourd'hui, tu as des billets, mais tu dors dessus. J'en sais rien, moi, tu te roules dedans. J'en sais rien. Mais tu peux pas dépenser. En tout cas, c'est fini. C'est comme ça, au moins, ça, c'est réglé. Alors, je vais m'adresser à vous, parents. Je vais m'adresser à vous grands-parents, à vous tantes, oncles, cousins, cousines, ce que tu veux. Et je vais m'adresser aussi au premier intéressé, celui qui a entre 15 ans et 25 ans, ou même 30 ans, et qui rêve de devenir un jour day trader. Alors, d'abord, je vais faire une croix claire. Les day traders de ce qu'on appelle des salles, des market rooms, même si on appelle ça des arcades. Moi, les arcades, c'était le truc au flipper. Tu sais, tu avais un flipper, tu avais un baby-foot, tu te marrais. Là, maintenant, les arcades, c'est je te pompe ton pognon, je t'apprends comment escroquer le broker et après, j'en ai rien à foutre. L'un d'œil à Traoré, c'est quand tu veux que tu viennes dans la télé nous expliquer ce que tu as fait. Hein. Ça m'intéresse aussi, bien évidemment. Aujourd'hui, ça ne sert à rien d'espérer, d'être en mode espoir, de devenir trader. D'abord, parce qu'à l'époque, déjà, il y avait peu de place, il y avait beaucoup d'appelés, peu d'élus, ça c'est clair. Mais aujourd'hui, de plus en plus, qu'on appelle le pop trader ou alors le trader de salle, bah, il faut qu'il soit surqualifié. Ce n'est pas avec un CAP coiffure que tu rentres dans une salle, ce n'est pas vrai, ça n'existe pas. Ce n'est pas avec 2 ans après le bac que tu rentres dans une grande banque en tant que trésorier, ce n'est pas vrai, ça n'existe pas. Ce n'est pas parce que tu as eu un master à Dauphine que tu as recruté dans une grande banque, ce n'est pas vrai. Ah si, ça peut être vrai. Mais par contre, tu es en bas de l'échelle. Hein. Ah bah, au départ, tu es junior. Junior, c'est le mec qui fait effectivement les photocopies, qui t'amène le café, qui bosse effectivement pour le senior et le chef de salle. Et le senior, quand ça se passe mal, c'est lui qui l'allume. Le chef de salle, c'est la même. En fait, quand tu es junior dans une salle, fais gaffe quand même, fais attention. Vous êtes 100 000, il y en a un qui va faire un peu de pognon, les restes, ils vont pleurer. Hein. C'est pas ça la vie. La vie, elle n'est pas là. Si tu as vraiment du talent pour négocier, bah, fais tes preuves. Puis après, vends-toi à un hedge fund ou à des gens qui sont capables d'avoir 100 millions, 200 millions d'euros et qui cherchent d'autres personnes pour pouvoir les gérer.
Là, au moins, c'est réglé. Au moins, c'est réglé. Oui, tu as raison, parfaitement. En tout cas, Gwen, la majorité des youtubeurs ne connaissent rien en trading pour la majorité. Il suffit simplement d'écouter. Je dis un truc le mardi, ils le reprennent le mercredi, ils ne connaissent même pas la définition. Bah, quand on a parlé du stop, du drawdown, de la marge d'entretien, de la marge d'overnight, il n'y avait personne qui en parlait. Personne. Clin d'œil à un espèce d'abruti aussi haut que large et qui fait chier tout le monde sur la toile. Il fait des burn-out, il parle effectivement de sa salle de marché. Son rêve, c'est d'avoir un studio télé. Il nous gonfle, lui. Hein, il a été, je ne sais pas quoi, numéro 1 au classement of the World of the Universe. Et depuis, alors le mec, il a 20 ans, hein, 25 ans, et il se prend pour un Michael Jackson qui fait un moonwalk. Il y a un moment, il faut que tu t'arrêtes, hein, tu vois. Faire gagner les gens en démo avec 5 euros de taille de position, arrête de nous faire chier, quoi, d'accord. Surtout qu'en plus, ta communauté a 2 balles qui me gonfle. Ouais, je passe un petit message, ouais. Elle me saoule, ta communauté, il me gonfle. Hein, tous les haters, les mecs qui sont sur Twitter, ah, gna 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 gna. Mais gna 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 gna, si t'as pas le niveau, t'as pas le niveau, tu vas te faire une vache, on n'en parle plus. Arrête de nous saouler quand même, zut, c'est quand même incroyable. Et surtout, fous la paix aux mecs qui veulent réussir. Franchement, fous la paix avec les mecs qui veulent réussir. Lumi, il pose une excellente question. Il demande si c'est dangereux de rentrer sur le Nasdaq avec moins de 5000 euros. C'est suicidaire, mais pas pour le drawdown, parce que le drawdown, si tu te laisses dégueuler pour pouvoir remonter, t'es mort. Bah, tu l'as compris. Le Nasdaq, tu le suis, mais tu ne le traites pas. Ce que tu traites, c'est le suiveur. Bah, au moins, tu as compris. Ah, tiens, la notion de suiveur et de leader. S'il y a le mec du Canada, je ne pense pas effectivement à nos amis, je pense plutôt à des gens qui nous cassent les bonbons, ça c'est clair. S'il y a le mec du Canada là, qui fait des formations, eh ben voilà, on sait que tu as pris mes manuels et on sait que tu racontes un peu de la. Hein, tu as compris. C'est à vos cacahuètes. Bah oui, je le sais parce que tes clients viennent me voir. Ils viennent me demander pourquoi tu prends la même chose que moi et que tu racontes des conneries parce que leader-suiveur, ça ne vient pas de ta tête. Ah bah non, ça ne vient pas de ta tête, c'est certain. Alors, je m'adresse à tout ce petit monde. Hein. Le trading, c'est quoi? Qu'est-ce que c'est que le trading? D'abord, Loulou, tu vas apprendre à parler français. Parce que quand on ramène ça au français, on a l'impression quand même d'avoir une vision beaucoup plus large, un peu comme un 16-9e. Tu vois ce que je veux dire? Le trading, c'est un négociant. Le négociant, il est là effectivement pour acheter pas cher et vendre cher. Ah ben, comme ça, au moins, c'est réglé. Tu rentres à un prix et tu vends plus cher. Ça, c'est la règle numéro 1. Donc, tous les Jones qui croient que le trading, c'est mettre son cul sur une aile d'avion, tu te plantes. Le trading de base, c'est spéculer comme un commerçant. J'achète une souris à 7,50 € au fournisseur et je le revends 11,50 € au client final, au Goy. Pardon, Yom Kippour d'ailleurs. Si vous êtes dans Yom Kippour, en tout cas, bah bon Yom Kippour, joyeux bon Yom Kippour. Voilà, comme ça au moins c'est réglé. Ce que je veux dire, c'est que le Jones, tu dois comprendre que ce n'est pas une cash machine le trading, ce n'est pas vrai. C'est un vrai métier. Est-ce que tu dois en faire? Bah oui, au moins t'y intéresser, t'as le droit. Pourquoi? Bah parce qu'on est peut-être un des seuls endroits sur la planète où les jeunes, dès qu'ils parlent de trading, tout de suite, ça devient n'importe quoi. Tu vas au Japon, moi je les croise dans les métros, ils ont un gros iPad parce que toi, ton téléphone, ça les fait sourire. Eux, ils téléphonent avec un truc qui fait 6 fois ça, hein, t'as compris. Hein. Donc, quand ils l'ont effectivement face à eux, dans le métro, les mecs passent des ordres. Je vais t'en parler, on va parler un peu de Forex tout à l'heure. Bah oui, parce qu'il y a beaucoup de conneries, évidemment, sur le Forex, on va en parler. Likez et envoyez du monde qu'on puisse avoir quelque chose de bien dans cette émission, que je puisse passer outre mon idée de croire que vous aimez simplement écouter les conneries et vous ne venez pas dans les émissions sérieuses. C'est quand même un petit peu dommage. Enfin, vous êtes là, ça ne vous concerne pas. Mais les 13 tarés qui viennent de disliker, au moins qui se montent et avec qui on peut parler. Hein, ça doit être le mec aussi haut que large qui doit, à mon avis, être dans les 13. En tout cas, c'est réglé. Alors, le trading, c'est quoi? Le trading, c'est acheter pas cher pour vendre plus cher. À ne pas confondre avec l'investisseur. L'investisseur, il ne va pas spéculer uniquement sur ce qu'on appelle le spread, la différence d'un prix entre l'acheteur et le vendeur. Il va spéculer aussi pour avoir des dividendes. Bah oui, l'idée, ce n'est pas de vendre tout le temps. Les anciens achetaient beaucoup. Ils ne vendaient quasiment jamais. Mais ils touchaient l'usufruit, bien évidemment, de leur placement, de leur investissement, parce que les sociétés cotées distribuent, pas des bonbons, des dividendes. En fait, il faut que tu saches qu'à la fin de chaque année, quand la société a fait un résultat plutôt positif, elle va allouer une part pour les investisseurs. C'est ce qu'on appelle simplement la distribution de dividendes dans un bilan. Ça se met au bilan, ça se décide en AG, en Assemblée Générale. Et les investisseurs perçoivent aussi bien que lorsqu'ils vendent la différence de prix qu'on appelle un spread entre prix d'achat et prix de vente, que le dividende de l'opération, ce qui t'incite justement à garder
ton titre, à ne pas le vendre, à croire effectivement dans la perspective plutôt positive de l'entreprise, dans ses investissements et bien évidemment dans sa modernité. Clin d'œil à Renault, hein, Renault qui fait Logan. Ah, non, je ne veux pas Renault, je dis simplement que voilà, Renault c'est Logan. Ça fait mal au cœur, il n'a pas fait que du bien à Gons, hein, ça c'est clair à Renault. Ah, il a fait des sous, il faut admettre qu'il a fait des sous. Mais la société, quelques années après, se prend là un gros bouillon et Nissan va se marrer, hein, parce que Nissan, la technologie électrique, machin, ils vont arriver, ils vont exploser les SUV Renault. Hein. Ça, c'est clair. On ne sait pas ce qu'ils foutent en ce moment, Renault, mais s'ils ont besoin d'aide, on est là. Hein. On peut les aider hein, sur les belles bagnoles et tout ça, il n'y a pas de problème. Alors, c'est fait pour qui? Il est vrai que l'argent appelle l'argent. I repeat, l'argent appelle l'argent. Donc, à la base, quand on a beaucoup de fric, il faut que tu saches, toi, jeune ou moins jeune, qu'on est contraint et obligé d'aller faire un petit tour sur les marchés. Bah oui, parce que si tu mets ton argent sur un livret A à la caisse d'épargne, alors je vais me faire allumer, je sais très bien que les autorités de place adorent le livret A, je sais très bien que les régulateurs adorent le livret A, je sais très bien que l'idée c'est de mettre un stop partout, mais moi c'est pas mon point de vue. Donc mettre un peu effectivement d'argent sur un livret A, maybe, ça te permet d'avoir de la liquidité, mais par contre tu te fais défoncer. En termes de rentabilité, tu perds de l'oseille. Ah bon, on peut perdre de l'argent? Mais évidemment que tu en perds. Tu n'as besoin de rien faire. Remarque, là, c'est bien. Tu perds de l'oseille, tu ne fais rien. Quand tu prends inflation, érosion de l'argent et coût de la vie, hein, bah, tu te retrouves à l'envers. Hein, je te rappelle que le livret A, c'est 0,25. Donc, tu peux, absolument, mais au moins, c'est réglé. Comme ça, au moins, c'est dit. Alors, faire un petit peu de placement à la papa, c'est possible. Mais quand le Jones, il n'a que 200 balles ou 250 balles récoltées par mémé ou pépé, bah, il peut aussi s'essayer au trading. Bah, il peut, mais pas chez n'importe qui, tu l'as compris, et pas n'importe comment, ça aussi tu l'as compris. Les objectifs. Alors là, dans cette émission, je vais être très clair et très pédagogue. Et je vous promets une chose, c'est que si vous mettez votre gamin, votre cousin, votre neveu, ce que tu veux, devant l'écran, je lui parle, il va peut-être faire ça avec sa tête parce que je ne suis pas venu avec des grosses chaînes en or, et avec un look de rappeur, mais ce que je vais lui dire, s'il ancre dans le cerveau qu'il fait l'éponge, demain il se remet sur les marchés, il fracasse le broc. Ça, je vais t'expliquer comment. Alors, l'objectif. L'objectif de mon fils, il est là, il m'entend, je dis ça sous son contrôle. Si je dis une connerie, il viendra et puis il poussera la caméra et ainsi de suite. Papa, je veux rien foutre et gagner du blé. Ah oui, bah, c'est ça le trading. La base dans le cerveau d'un gamin, c'est à la base celui qui a le poil dans la main, qui veut rien foutre et voir les dineros tomber. Hein, la maille, l'oseille, ben oui, évidemment. Il veut la maille. Alors la maille, les gonzesses, les bagnoles, mais lui, il s'en fout. Les gonzesses, les bagnoles, il s'en fout. Ou alors les anciennes voitures. Pour ça, remarque, il a de qui tenir. Lui, ce qu'il aime, c'est les vieilles Alpines. Hein, si vous avez connu les vieilles Alpines. Ou alors les vieilles BMW, celles qui sont trafiquables partout. Celles qu'on peut dropper, doper avec un simple boîtier électrique. Elle ne marche pas à l'électrique, par contre. Hein, ça, je te garantis qu'elle tête. Hein. Ça, c'est certain. Alors, l'objectif, c'est rien foutre et gagner de l'oseille. Ça ne vaut pas pour tout le monde. Ça ne vaut pas pour tout le monde. Tu as des gamins qui veulent apprendre le mécanisme des marchés financiers. Moi, mon fils, il veut plutôt apprendre le mécanisme comment dépenser, ce qui n'a rien à voir. En même temps, il est raisonnable parce que lui, ce qu'il veut, c'est gagner suffisamment pour vivre. Il y en a qui commencent effectivement le trading en pensant qu'ils vont devenir milliardaires dans les 3 jours. Je te parlerai d'une expérience que j'ai depuis 2 jours, à avoir des gens au téléphone qui véritablement se sont pris dans l'engrenage de « je gagne beaucoup ». Il faut être raisonnable, évidemment qu'il faut être raisonnable. Alors, le capital, bah, écoute, il y a des marchés sur lesquels tu peux aller 200 balles, 250 balles, hein, il n'y a pas de problème. Même avec 100 balles. Mais quand tu viens avec 100 balles, 200 balles, 250 balles, tu ne t'attends pas à gagner 10 000 balles à la fin de la journée. Et là, un petit peu de mathématiques. On est dans la théorie de la relativité, on est bien d'accord. Si tu viens avec 100 balles, le mec qui signe, il a le même niveau que toi, qui vient avec 1000 balles, il va gagner 10 fois plus que toi. Bah, c'est la logique. Alors tu vas me dire, ce n'est pas tout le temps comme ça. En tout cas, s'il est abonné à la Genius et que toi aussi, vous avez les mêmes chances de gain, a priori. Genius Station, tu t'en souviens, je t'en montrerai tout à l'heure, on va en reparler. Ce que je veux dire, c'est que ton objectif, il doit être cohérent. Ton objectif, il ne peut pas être complètement farfelu. Alors, combien ça gagne, Luc? Combien ça gagne et combien on peut gagner? Ben, l'important, ce n'est pas combien tu peux gagner demain. L'important, c'est combien tu peux gagner tous les jours. Quel est le montant en pourcentage de ton capital que tu peux t'attendre à faire pour gagner tous les jours? Même les moustiques écoutent l'émission, c'est incroyable.
Ils sont dans l'été indien, les moustiques, à Barcelone. Le capital, je te l'ai dit, 100, 250 balles, 300 balles, tu peux commencer pour t'exercer. Ça fait pas mal, 100 balles, 200 balles, ça va. Tu peux t'exercer. Les gains, bah, au-delà de 1% de ton capital par jour, c'est beaucoup. Si tu fais 1%, mon calcul est juste, 20 jours par mois ouvrés, t'es effectivement à 20% par mois. T'es à 240% par an. Si tu parles à ton voisin, il dira qu'il n'existe absolument aucun investissement qui rapporte 240% par an. J'ai honte de vous dire que les gars qui sont dans la Genius gagnent même parfois beaucoup plus que ça. S'ils sont là, dans, en tout cas ici, bah, ils te le diront eux-mêmes. Ils déclarent leurs gains. Tiens, on se fait un petit break, on va aller voir les gains tiens, de la Genius. Tiens. Combien ils gagnent, les mecs de la Genius? On va aller les voir. Puisque tout le monde peut les voir. Évidemment que tout le monde peut les voir. On va dans statistiques. Alors, on ne s'affole pas, bien évidemment. Les statistiques, ce n'est pas les miennes. Ce n'est pas celles de la Genius. C'est celles des gens qui sont abonnés à la Genius. Aujourd'hui, on va prendre effectivement plutôt la semaine. Voilà. La semaine, on a fait 160 opérations sur 5 jours glissants. Il y a environ 4 heures d'opérations pour les plus ardues. Il y a 11 heures, donc 258 sur la semaine, tu divises par 5, tu as le temps réel, ça fait à peu près 2 heures. Tu as 36h25 de live dans la télé, parce qu'évidemment, on t'apprend tout ça. Quand tu es dans la Genius, tu as tes émissions tout le temps et tout le temps et tout le temps. Tu as près de 75% des abonnés qui disent qu'ils réalisent en tout cas des gains tous les jours dans la Genius. Mais alors les autres font quoi? Ben, en fait, tu as 60% qui déclarent réaliser plus de 30 points par jour. 30 points par jour, pour t'expliquer, la plupart sont à 5 euros, c'est 150 balles minimum par jour. Ah ouais, 150 balles. Ben, c'est 3000 balles, loulou. C'est 3000 balles de gagner par mois en travaillant 2 heures par jour. Si moi, je regarde la moyenne, il y en a 13% qui réalisent plus de 20 points et il y en a 6% qui disent qu'ils perdent. Je serais curieux de savoir qui c'est, tiens. On va aller jeter un petit coup d'œil après, on regardera pour pouvoir les aider. En tout cas, c'est bien qu'ils déclarent leurs gains et leurs pertes de façon à ce qu'on puisse les aider. Les résultats d'opération, bah on sait que c'est les futurs qui gagnent à max. Hein. Nous, on est sur les futurs comme des dingues. Mais il y a le Forex aussi. Le Forex, c'est super intéressant. Les indices, la crypto, les commodities, les currencies, on fait absolument tout. Les gagnantes, il y en a eu 149. Les perdantes, il y en a eu quoi? 2, 3. Les invalidés, 139. Bah oui, parce que nous, quand on se rapproche d'un start et qu'on perd de la quasi-certitude, on dégage. Tu ne me crois pas? Vérifie, tu as tout le track record qui est ici. Et bien évidemment, tu as les replays et compagnie, maman, voilà. Tu peux tout voir. Donc ça déjà, ça rassure, parce que tu sais qu'il y a des gens qui sont plutôt autour de toi et qui ne te lâchent pas et qui fonctionnent plutôt pas mal. Donc ça, en tout cas, ça rassure. C'est bien les gars, Julien Lumi, c'est très bien vos questions et vos réponses sont excellentes. Alors, les gains, combien? Je t'ai dit, au-delà d'1% par jour de ton capital, tu es déjà en excès de gains. Ça ne veut pas dire que tu ne sais pas faire. Ça veut dire que véritablement, c'est chaud. Alors, j'ai Léo, moi, qui me fait... Qu'est-ce qui se passe, Léo? Qu'est-ce qui t'arrive? J'ai fait 30% aujourd'hui. Oui, mais il faut les conserver. Il faut faire ça tous les jours. Donc, c'est pour ça que je dis que raisonnablement, faire 1% de gain par jour, quand on débute, c'est bien. Et le faire tous les jours. Mais bien sûr que les Genius investisseurs et les Genius traders enflamment ce qu'on appelle simplement le market, évidemment. C'est un truc de fou. Alors, il faut en fait gagner et ne pas détruire ce qu'on gagne. Ça, c'est l'objectif. Après, vous pouvez monter beaucoup plus haut et faire ce qu'on appelle du full marge. Il ne faut pas flamber, mais il ne faut pas non plus se restreindre. C'est-à-dire qu'en fait, quand on gagne, il faut en profiter, parce que sinon, quel intérêt? Il n'y en a pas, il n'y en a absolument pas. Quand on dit qu'effectivement, il ne faut pas se restreindre, il faut croquer. Parce que si tu ne croques pas de ce que tu gagnes, ça vaut cacahuète. Alors, on va parler des pertes aussi, parce qu'il faut être honnête. Il y a des gains, il y a des pertes. On a vu, il y a 6% des gens qui perdent, tout simplement. Ça fait partie du lot. J'en ai eu un hier soir au téléphone et j'en ai eu un autre tout à l'heure. Ce que je peux vous dire, c'est que je sais pourquoi ils perdent. Et ce que je peux vous dire, c'est que je leur ai demandé de venir au Money Studio ici à Barcelone pour leur filer un coup de main. Ce que je vais vous dire est réel. Vous avez le droit de me croire ou pas. En tout cas, tout est vérifiable. Les gens que j'ai eu au téléphone ce soir et hier soir, il y en a deux. Ce sont des gens qui ont gagné plus de 60% de leur capital en l'espace de moins de 3 mois. Ils ont gagné plus de 60% de leur capital en moins de 3 mois. Quand les professionnels, les institutionnels, les fonds, les market makers viennent ici, ils ouvrent des pupilles grandes comme ça.
quand ils voient les scores qu'on allume dans le marché, ils sont complètement à l'envers. Bah oui, mais c'est comme ça, les loulous. Ces gens-là ont gagné plus de 60% de leur capital et bien évidemment, se sont brûlés les ailes, ils sont donc redescendus à zéro. Donc ça, ça s'explique. On fait une fois la connerie et on ne la fait plus après. Ça fait partie, bien évidemment, des gens, des 6% qui sont là, qu'on rattrape et qu'on remet, bien sûr, en haut. Les pertes, c'est le mode espoir. C'est t'inquiète. Tiens, regarde, c'est bien que vous soyez honnête dans le chat. Moi, j'aime bien. Vous êtes des gens sincères et des gens honnêtes et j'aime bien. Le type m'a dit tout à l'heure, si je rentre avec 5000 euros, avec le drawdown du Nasdaq, eh ben, c'est bien, je peux m'en sortir. Ben non, parce que nous, le drawdown, on le tue. On tue le drawdown. On n'en veut pas du drawdown. On n'en a pas envie. Sincèrement, les 29-10 lacs, vous nous faites chier, si vous savez. Vous avez pourri les gens. Vous les avez emmerdés. Vous continuez à les emmerder. Tu vois, je ne me suis pas trompé. La communauté du mec qui est aussi haut que large, tu vois, je ne me suis pas trompé. Vous êtes des relous, putain. Allez jouer au bac à sable, j'en sais rien. Vous mettez en avant un mec qui vous raconte n'importe quoi, agrégé de je sais pas quoi. Vous êtes lourd. On va finir par plus faire de vidéos sur YouTube tellement vous nous saoulez. On va finir par rester privette et puis c'est tout, point barre. Et on prendra votre fric sur les marchés, c'est ce qu'on fait tous les jours. Alors continuez à mettre du dislike, en tout cas au moins c'est réglé. Alors, ce n'est pas une question des yeux plus gros que le ventre. C'est une question de mode espoir en disant de toute façon, Luc, ça fait 10 fois qu'il me dit que le marché monte. Donc moi, il monte en oubliant que le marché doit respirer pour pouvoir continuer à monter. Donc tout à l'heure, on a expliqué que le marché descendait. Tu ne crois pas, tu regardes en replay. Hein. Le marché américain a ouvert à 15h30, à 15h02. On a expliqué que tout allait se casser la figure. Ce que je dis est juste. Hein. Si vous ne croyez pas, ça n'est pas grave. En tout cas, c'est réglé. Tu vois ce que je veux dire? Clairement, on voit la tendance. On sait quelle est la dominante et on sait quelle est la secondaire. Donc, on va t'emmener sur des trucs vachement sympas. Au moins, c'est réglé. Au moins, c'est réglé. Alors, perdre, ça fait partie du jeu pour les gens qui sont formés par des tarés, par des youtubeurs qui n'ont aucun niveau ou alors par des gens qui s'auto-informent. Hein, l'autodidacte en trading, on sait, ça marche que le soir quand tu t'endors vers 23h30 jusqu'au matin 5h30. Le reste du temps, ça ne marche pas, tu l'as bien compris. Les pertes, donc c'est le mode espoir, les marges que le broker te sort, c'est-à-dire qu'en fait, les mecs t'emmènent avec 50 balles, ils t'emmènent sur un produit à marge overnight sur lequel tu dois avoir 200% de ton capital pour tenir ta position. Tu te réveilles le matin, il t'a dégagé. Tu vois ce que je veux dire? Il t'enlève. Ah bah c'est comme ça, il faut le savoir, si tu ne le sais pas, au moins il te met à l'envers et au moins c'est réglé. Ralph, tout ce que je dis est vérifiable, mon loulou. Hein. Si tu veux, bah tu viens, voilà, c'est pas compliqué, puis on en parle. Mais autour de la table, pas uniquement derrière le truc, tu vois loulou. Au moins comme ça c'est réglé, en live. Alors Ralph, je vais te faire en plus une proposition. Tu sors 1 euro de ta poche et tu vérifies tout ce que je viens de dire en live demain à partir de 8h30. Charlotte, tu lui mets le lien à Ralph, mets-le en tout cas à Ralph au moins... C'est réglé, voilà. Au moins, c'est dit. Tous les gens qui me connaissent et ceux qui savent effectivement ce que je dis, et ils savent très bien que tout ce que je vous dis est réel. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est que vous preniez de l'oseille et à la limite que vous alliez torcher ceux qui vous ont foutu dedans. Au moins, c'est réglé. Alors, on va sur quel marché? On va sur quel marché? On peut aller sur plusieurs marchés, mais on ne fait pas la même chose sur tous les marchés. Je te l'ai expliqué rapide tout à l'heure. Je vais tout expliquer dans la Genius, mais je te l'explique rapide maintenant. On n'a qu'une heure, donc il faut se débrouiller. On va sur des marchés spéculatifs, c'est possible, comme le Forex, pourquoi pas. Luc, pourquoi tu nous casses la tête avec le Forex? Bah parce que le Forex, tu peux ouvrir un compte avec 100 balles. Alors, je ne te dis pas de le faire, je te dis que tu peux le faire. Comme ça, au moins, c'est réglé. Le Forex, c'est les devises. Comme ça, au moins, c'est réglé. Le Forex, c'est les devises. On travaille la parité. Alors, tu sais comment j'ai appris à mon fils que c'était que le Forex? Je vais te montrer. Et tout ce que je te dis est vrai, il peut en témoigner, il est là. J'ai peut-être une grande gueule, il y a des gens à qui je ne plais pas. Mais en tout cas, ce que je montre, je le montre vraiment. Voilà. C'est voilà. Hein, tu sors de billets, t'en donnes à ton gamin, tu gardes l'euro, il prend le dollar, et tu lui expliques qu'en fait, c'est comme un bureau de change. Quand tu veux effectivement aller chercher du dollar, parce que le dollar a effectivement une perspective de monter très haut en termes de prix en parité par rapport à l'euro, c'est réglé. Et puis tu lui expliques que la paire la plus facile à traiter, c'est pas la lire togolaise contre le rouble de je sais pas où, c'est véritablement l'euro-dollar. C'est ce que font les pros. T'emmerdes pas à aller chercher une devise de merde que le mec te balance alors qu'il n'y connaît rien. Lui va te trouver, encore une fois, la livre de Papouasie contre le dollar d'Afrique centrale. On n'en a rien à foutre, ça coûte cher, il n'y a pratiquement pas de liquidité. Donc ça veut dire que tu ne peux pas véritablement acheter ou descendre. Mon chéri Spoutnik, si c'est trop fort, tu baisses le son.
Bah oui, c'est l'âge. Là, je comprends, c'est l'âge, évidemment, c'est l'âge, tu vois. Au moins, tu veux, comme ça, au moins, c'est réglé. Donc, tu lui files du dollar, tu prends l'euro et tu lui expliques. La paire euro-dollar, tu es en train, effectivement, d'avoir de l'euro et tu vas, effectivement, spéculer contre le dollar. Donc, si tu achètes de l'euro-dollar, pour toi, l'euro est plus fort que le dollar. Et tu l'expliques comme ça et c'est super facile. Et le gamin, il comprend tout de suite. Alors ça, c'est la première connerie qu'il fait, c'est d'aller faire du forex sans jamais rien comprendre. C'est-à-dire que le gamin, il rentre là-dedans, il me dit « Ouais, l'autre, là, sur l'aile d'avion, il m'a dit « Explose le NHWQRZ alinéa 3, quatrième page. » On n'en a rien à foutre. Blanche-toi, branche-toi, apprends sur l'euro-dollar. Voilà. T'emmerde pas, branche-toi sur l'euro-dollar et au moins, c'est réglé. Alors, qu'est-ce qu'on fait par rapport au forex? Ben, c'est simple. On va travailler la parité, on va travailler les relations avec le monde réel, tu vois. On va lui expliquer en fait que l'euro-dollar, c'est de l'argent, que même sur un marché où il n'y a pas de billet physique, ça reste de l'argent et que cet argent-là, il est dépendant de plein d'événements autour de lui. C'est-à-dire qu'en fait, ce n'est pas parce que lui a envie d'en acheter qu'il faut en acheter. Parce que si lui veut en acheter, en définitive, il va falloir qu'il tienne compte de plein de choses autour de lui. C'est évident. Alors, moi, ce que j'aime aussi lui expliquer à mon fils, c'est lui parler des taux d'intérêt. Hein, lui parler effectivement des taux d'intérêt, de l'inflation, de la consommation, des ménages, du pouvoir d'achat. Lui apprendre à gagner parfois uniquement qu'en laissant son pognon sur son compte. C'est ce qu'on appelle le rollover positif. Tu vois ce que je veux dire? Le rollover positif, tu laisses effectivement de l'euro en position et tu gagnes de l'oseille parce que la BCE a décidé d'augmenter ses taux. C'est des trucs cons, hein? C'est des trucs super cons, hein? Mais vraiment très cons. Gwen, j'aimerais trop qu'il y ait un concours de trading entre Luc et les autres grands traders de YouTube. Comme ça, au moins, la réponse, ça sera vrai répondu pour ceux qui dislike. Mon loulou, Gwen, j'en ai rien à foutre des purées de concours de trading. Si tu savais comment je m'en bats les cacahuètes, tu veux que je t'en montre des concours de trading? Va sur Facebook, j'ai posté le résultat des concours de trading. Attends, c'est des mecs qui se la racontent, ils ont tout vu, tout connu, et ainsi de suite. Hein, tes concours de trading, je préfère qu'on fasse un concours entre toi et moi, qu'on aille directement sur les marchés, et puis qu'on s'amuse à gagner de l'oseille, toi et moi, et qu'à la fin de la journée, on ait tous les deux gagnés, et qu'on soit tous les deux gagnants. C'est fini, c'est fini, comme ça, c'est réglé. Belle GBP-USD, ce qu'on appelle le câble, t'as pas tort, mais c'est balèze en ce moment, le câble, hein, le sterling contre le dollar. Le sterling, qui? Bah oui, qui? C'est un leader. Alors, c'est pareil, je vais encore dire un truc. On va encore me dire, Luc, t'as été un teubé. Moi, le GBP, je ne veux pas qu'il y touche. Mais pour autant, je savais que ça allait exploser aujourd'hui, comme l'euro-dollar. Je l'ai donné 13 acheteurs tout à l'heure à 15h02. Bah, tu me crois, tu ne me crois pas, au moins, mais voilà, c'est réglé. C'est dit. Allez sur notre Facebook, vous verrez ce que c'est qu'un concours de trading. Je vais juste te dire un truc, Gwen, aussi. En fait, on ne voit pas quelqu'un sur l'instantanéité. On voit quelqu'un dans la durée. Ça fait 20 ans que je fais le même métier. Ça fait 5 ans que je filme toutes mes opérations. Pendant les 4 premières années, j'ai posté tous mes gains. Tout le monde s'est foutu de ma gueule, ils ne me croyaient pas. Sauf ceux qui me suivaient tous les jours. Aujourd'hui, je ne poste plus que les gains des abonnés. Comme ça, au moins, je suis tranquille. C'est réglé. Ah, c'est fait. Tiens, mets-nous le lien, Charlotte, ça les fera sourire. Allez dans les salons de la saucisse de Chimou, là. Allez dans les salons machin, vous allez voir, vous allez vous marrer. Ah bah des brokers, il y en a, et puis pas les meilleurs, hein, ça c'est clair. Des traders, par contre, là, tu risques de pas trop les trouver, ça c'est certain aussi. Alors, le forex, c'est une bonne chose pour démarrer, parce que ça t'apprend l'économie, en général. Avant d'aller chercher un produit ultra violent comme le Nasdaq, bah, tu vas apprendre à travailler la devise. Et la devise, t'en fais tous les jours. Ou chez un broker, pas forcément, une banque aussi. Tiens, on va en parler tout de suite après, tu vois que c'est vachement intéressant. Il y a aussi les actions. Alors là, prudence. En ce moment, tu as des crevards qui sont en train de te dire que pour acheter des actions, c'est zéro. Parce que tu n'as pas de frais. Ce n'est pas vrai. Des actions, pour en acheter, pour en vendre, tu as des frais. Ça n'a jamais existé, le zéro frais. Sauf sur des produits alternatifs de brokers, comme les CFD. Parce que comme c'est lui qui te les vend, il ramasse à l'entrée, à la sortie, même pendant, il te fait la totale. Salade, tomate, oignon, il te prend tout. Hein, ça, c'est clair. C'est tu rentres, il te prend, tu sors, il te prend, tu gagnes, il te prend, tu perds, il te prend. Et le mec sur Internet qui t'a fait ouvrir le compte chez le broker en question touche deux fois ce que tu as payé, ce que tu as perdu. C'est énorme. Il passe un deal en fait entre le Jones qui a 18 ans, qui a tout vu, tout connu, aussi haut que large et qui va te raconter une salade pour te faire ouvrir un compte. Tu vois ce que je veux dire? Et je te jure que c'est vrai. Tout ce que je te dis, même si tu n'as que 15, 16, 17, 18 ou 19 ans,
Tout ce que je te dis est juste et vrai et vérifiable. Le mec qui t'a incité à ouvrir un compte Forex ou CFD chez un mec souvent à Malte, en Israël ou ce que tu veux, c'est un mec qui prend deux fois une commission quand toi tu perds. Ne serait-ce que déjà d'une fois, c'est dégueulasse. Mais là, il la prend deux fois. Quand tu gagnes, il prend une fois. Quand tu perds, il prend deux fois. Tu ne me crois pas? Pourtant, c'est la vérité. Je sais que tu préfères voir un mec qui fait « Yo, 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 et les keufs et les meufs dans le RER. » Je sais ça. Ça, je sais. Je sais que je suis peut-être un ancien. Maintenant, j'en sais rien. Peut-être parce que mes cheveux sont poivre et sel. Mais en tout cas, ce que je te dis est juste. Moi, mon fils n'ira jamais ouvrir un compte quelconque chez un broker qui fait du CFD. C'est non! Non! Absolument pas. Il peut ouvrir un compte Forex, en démo, en ce qu'il veut, mais il ne fera pas de CFD. C'est l'arnaque. Si tu veux perdre effectivement tes 100 balles, et moi, ça me mettrait hors de moi. Dans mon fils qui perd de l'argent, t'imagines, sur les marchés. C'est pour moi, c'est une offense. Je sors les gousses d'ail, la croix en bois, je fais venir les marabouts, le niakaté de Barbès Rochechouart. Alors, je fais tout, hein, je démystifie la maison. C'est pas possible, c'est juste pas possible. Alors, perdre, ça fait partie du jeu, oui et non? Absolument pas. Si tu perds et que tu as compris pourquoi tu perds, au moins c'est réglé. Mais si tu perds parce que tu n'as rien compris, laisse béton, ça c'est évident. Alors, les CFD, tu me les bannis. Les actions sur CFD, tu me les bannis. Les actions cash, par contre, tu peux. Mais tu n'en achètes pas 50 et puis tu ne vas pas me chercher des actions qui valent 500 ou 1000 balles. Hein, avec un petit compte à 1000 balles, tu vas me chercher une dizaine d'actions qui cotent 10 balles, 5 balles. Tiens, regarde, tu n'as pas eu très longtemps des valeurs qui ont explosé. Hein, tu regardes certaines valeurs dans le fer, tiens. Dans le fer. Hey, on l'a perdu, Léo. Dans le fer. Qui a été racheté par des Américains? La partie US de ArcelorMittal. ArcelorMittal. Combien cote ArcelorMittal? 10 balles. 10 balles, d'accord? Tiens, donne-nous la cotation exacte. Eh bien, vas-y, achète de l'Arcelor. Allez. Bah, tu serais dans la Genius, bah voilà, on t'explique comment, pourquoi, à quel endroit. Mais où, Luc, on peut acheter ça? Je vais t'expliquer, tu vas voir. C'est assez intéressant. Alors, il y en a qui te disent, va sur les futurs. Non, c'est trop. Non. Tu commences pas à aller sur les futurs quand tu n'as pas d'oseille, quand tu n'as pas de capital, parce que les futurs fonctionne avec très peu de levier et avec beaucoup de margin call. Ça veut dire qu'il faut laisser beaucoup d'argent sur le compte pour pouvoir négocier un contrat. Et puis, c'est compliqué. Commence déjà par apprendre ça, d'accord? Commence par apprendre ça. Commence par apprendre ce que c'est qu'une action. Fais-toi plaisir, en tout cas. Moi, j'ai des clients même des copains qui ont fait de l'oseille sur des actions et ils sont super contents. Alors, Luc, t'es bien gentil, mais on va faire ça où? Où va-t-on faire ça? Où va-t-on faire ça? Il y a à l'époque ce qu'on appelait les banques, les courtiers, et la banque, effectivement, jouait le rôle de courtier. Donc, on pouvait acheter les actions. D'ailleurs, je vous rappelle qu'en France, vous avez le PEA et que ce n'est pas dégueulasse. C'est en fait toutes tes plus-values qui sont quasiment exonérées d'impôts. Il te reste à payer la CSG RDS. Ah bah oui, il ne te laisse pas non plus partir sans rien. En France, merde. Hein? Oublier non plus. Alors, le PEA, c'est gratos, ça s'ouvre à 18 ans. Et puis, c'est bien parce que le PEA, en fait, fonctionne sur 5 ou 8 ans, un peu comme l'assurance vie. Mais tout ce que tu gagnes est défiscalisé dans la partie brute. Il ne te reste plus que la partie, effectivement, de la CSG, du RDS. En tout cas, si ça s'appelle encore comme ça, c'est réglé. Alors, Ralph, il me fait des compliments. Je ne sais pas qui c'est ce Ralph. C'est plus drôle sur le chat que la vidéo. Remarque qu'on a besoin de clowns, hein. C'est marrant que ça soit animé dans le chat aussi, ça fait plaisir. Il y a alors il y a les cryptos aussi. Alors les cryptos, on en parle beaucoup. Il y a les cryptos, Léo qui est un fanat effectivement des cryptos. Les cryptos, ça se travaille sur les exchanges. Le problème de l'exchange, c'est que pour le moment, ce n'est pas très sécurisé. Que si tu ne connais pas bien, tu peux te faire avoir facilement parce que le spread peut évoluer très rapidement. Ça peut être très cher, ça peut être pas cher. Ça peut être pas cher à 9h02 et ça peut être très cher à 9h03. Donc, c'est plutôt compliqué. Alors, moi, j'ai envie de te dire, incitez vos gamins à ouvrir des comptes dans des néobanques. Vous pouvez ouvrir dans des néobanques. Il n'y a plus besoin d'aller s'emmerder face à un banquier qui va te saouler en te demandant ce que tu veux faire dans la vie. Moi, si je lui envoie Hugo, le mec, il se suicide à la fin de l'entretien, hein, t'es d'accord? Hugo, tu veux faire quoi dans la vie? Moi, je vais te péter de thunes. Et toi, tu veux faire quoi? Moi, je veux travailler avec Hugo, tu vois le truc. Enfin bref, ce que je veux dire, c'est que tu peux pas. Aujourd'hui, les mômes, ils n'ont pas l'avenir. Tu veux faire quoi dans la vie? Je veux porter un masque, tu vois. On n'est plus du tout dans l'avenir comme nous, on le prévoyait à l'époque.
Donc je t'emmène Hugo dans une banque, je te dis, le mec il sort une corde, il se pend, et Hugo il repart en sifflant, et voilà, c'est réglé. Donc ce que je veux dire, c'est que il vaut mieux l'emmener sur une néobanque qui ne va pas le faire chier, qui va lui ouvrir un compte, et puis qui, sur laquelle il va s'autoriser à faire un peu de Bitcoin, de Forex, à des prix interbancaires intéressants, pas souvent les plus intéressants. Il faut reconnaître que ce n'est pas les plus intéressants non plus. Mais comme c'est une banque, néobanque, ce qu'on appelle un portefeuille électronique, elles ont quand même des obligations. Alors qu'un broker chypriote, hein, la question, elle est vite répondue. Voilà le machin, quoi. Tu vois, hein, c'est bien le privé, parce qu'on peut tout faire à la télé. On peut faire des gestes obscènes. C'est génial, en fait, à la télé. On peut faire ce qu'on veut. Alors, je continue. Néobanque, qu'est-ce que tu connais, toi, Léo, comme néobanque? Revolut. Revolut. J'ai une néobanque spécialisée dans la crypto. On va leur faire une pub, crypto.com. Allez, crypto.com, Revolut. Regarde un peu sur Internet. Au moins, c'est réglé. Tu veux... Goldenor, il s'éclate, hein, lui, dans le chat. On ne peut pas mettre ça à Golden, on ne peut pas. On ne peut pas, c'est de la pub, on ne peut pas. Et puis, on va se faire disputer, ce n'est pas possible. Allez, on continue. Alors, on a vu quoi? La définition, on a vu les marchés, les brokers, on vient de les voir. Alors, on va parler maintenant de la démo et du réel. Alors, les mecs te saoulent en démo. Fais de la démo, En fait, la démo, tu peux en faire un peu. L'avantage, c'est que tu ne perds pas d'oseille. L'inconvénient, c'est que tu as des faux max drawdown et que tu n'as pas d'émotion. Alors attention, je traduis parce que c'est pareil. Le faux max drawdown, c'est quoi? En fait, c'est la connerie que font tous les gamins quand ils débutent sur les marchés, mais absolument tous. Hein, le mien y compris, c'est la même. Tu lui expliques qu'il ne peut pas le faire, mais il le fait quand même au début. Il met les mains dans la porte, il claque la porte, il se fait mal. Puis s'il est intelligent, il ne refait pas deux fois. S'il n'est pas intelligent, il se casse la tête. Alors je te prends un fait réel. Ce matin, le loulou... Hugo, t'as pris combien ce matin? T'as fait quoi en gain ce matin? Il est où, Hugo? Il est au-dessus ou il est parti? Il est parti, Hugo. Il a dû faire 300 balles ou 280 balles de gain ce matin en l'espace d'une petite heure. Il les a tous défoncés l'après-midi. Même pas dans l'heure de midi. Tu sais ce qu'il a fait? Il a surenchéri. Il a remis du fric sur le marché, s'est fait dégommer. Et autant, je lui avais dit de couper sa position très vite, c'est ce qu'on appelle cracher un ordre, il s'est laissé dégueuler. Donc, il s'est laissé dégueuler. Alors, évidemment, bonheur, il s'est remonté, mais ce n'est pas bonheur pour lui parce qu'en définitive, il va croire que c'est tous les jours comme ça, alors qu'il peut se faire démonter. Donc, en fait, le drawdown oublie. Et le max drawdown, c'est le calcul justement de la taille que tu as perdue pour voir la taille de ce que tu as gagné. Si pour gagner 10, tu t'es fait perdre 2,50, tu es un mauvais. Hein? Ah bah, tu es un mauvais, évidemment que tu es un mauvais. Si véritablement, tu vas perdre 50 pour gagner 10, tu es une bille. Il est temps que tu t'abonnes à la Genius Station. Merci à Charlotte de mettre en dessous le lien. Ça coûte 1 euro pour le voir, hein, si tu doutes. Hein, comment il s'appelle? C'est pas Greg, c'est... Je ne sais plus comment il s'appelle. C'est pas très, très... Alors, non, mon fils, il n'aime pas suivre les bourricots de Dubaï. Si jamais Paul, il te parle de la chef de Dubaï, parce que lui, il l'a vécu de l'intérieur. Hein. Lui, il l'a vécu de dedans. Vous, vous le vivez de l'extérieur, mais lui, il l'a vécu à l'intérieur. Hein, quand on voit le niveau minable, moi, je vais te dire un truc, en étant sincère avec toi, Greg. Des fois, je me pose des questions. J'ai travaillé avec beaucoup de professionnels, j'ai travaillé avec beaucoup de formateurs, j'ai travaillé avec beaucoup de mecs qui disaient envoyer des signaux, j'ai travaillé avec plein de mecs comme ça. Je les ai vus à l'œuvre. Moi, on peut dire que je suis un gros con. À la limite, il faut toujours être le con de quelqu'un, c'est pas grave. On peut dire que je gueule, que parfois je dis des grossièretés, que je suis un speedé, ce qui est vrai, que j'ai beaucoup d'énergie, c'est un peu plus aimable. Mais il y a une chose qu'on ne peut pas me reprocher, je ne suis pas un menteur, et je ne suis pas un fabulateur, et ce que je dis, c'est réel, et je le prouve en permanence. D'accord? Donc, tous les mecs qui prouvent que dalle, qui s'appellent le pirate masqué ou l'homme à la chaussette sur Twitter, tant que tu n'as pas donné ton nom, tu vaux une bille. Et moi, je sais que tu bosses pour l'autre abruti, je le sais. Parce que tu expliques que Luc, c'est un escroc, mais Luc, c'est le seul qui se filme tous les jours. C'est con. Comment tu vas être escroc quand à 15h05, tu expliques que tout va se casser la figure et qu'à 15h31, tout se pète la gueule? C'est quand même beau d'être un escroc comme ça. C'est quand même, tu vois ce que je veux dire? Au moins, c'est... Voilà. Ah bah, Golden, tout est traficable, hein, tu le sais. Moi, je le sais que tout est traficable. Alors, le réel, l'avantage, c'est que tu gagnes de l'oseille. Ah, c'est tout de suite transformable en pognon. Par contre, l'inconvénient, c'est que trop d'émotions pour un débutant. Tu l'as bien compris. Alors, si c'est toi qui finance, ô toi le padré ou la madré qui finance le gamin, ce que tu fais, tu lui mets dans les mains uniquement qu'une centaine d'euros. Tu vois ce que je veux dire? Tu lui sors l'oseille, tu lui mets un petit coup de 100 euros. Si jamais il éclate, tant pis.
Mais par contre, ce que tu lui fais faire, c'est un peu comme un flic, quoi. Voilà, tu le fliques, il faut être honnête. Tant que ce n'est pas son oseille qui flambe, eh ben toi, tu peux lui filer, mais tu le fliques. C'est-à-dire qu'en fait, s'il a gagné, il doit t'expliquer pourquoi. S'il a perdu, il doit t'expliquer pourquoi. S'il ne t'explique pas, ben, tu ne lui refinances pas la deuxième. C'est tout, point barre. Moi, clairement, il doit être capable de m'expliquer pourquoi il a gagné, pourquoi il a perdu. Comme ça, au moins, on sait s'il est dans le juste ou pas dans le juste. Tu vois ce que je veux dire? Au moins, c'est réglé, comme dirait Bob. Au moins, c'est fait. Donc, le réel ou la démo, ben, en fait, on va arriver tout de suite après à se former. Et c'est là où je vais te reparler de la démo et du réel. Je vais te parler, par contre, des mythos de ce milieu. J'ai appelé ça l'agressivité de ce milieu. Parce que quand j'ai commencé, il n'y avait personne en face. Donc, évidemment, c'était super facile. Et puis, sont arrivés des mecs un peu plus honnêtes, un peu plus ou moins honnêtes, pardon. Et après, c'est les crevards qui sont arrivés. Tu sais, les mecs qui bavent, qui ont vendu des t-shirts toute leur vie, qui sont des traders dans les trois jours suivants. Alors eux, par contre, ils sont envoyés par des mecs de Malte, de Chypre, de Panama, d'Israël, parce qu'ils ont 25 ans, 30 ans, qui parlent à des gamins qui ont 25 ans, et puis qui derrière se font flamber parce que le mec prend de l'oseille à chaque fois qu'il perd. Hein, t'as compris ce que je voulais dire. Ce que je veux dire aussi, c'est qu'il faut que tu dises à ton Jones que, s'il te plaît, OK pour commencer le trading, mais ne me regarde pas YouTube. S'il te plaît, ne me regarde pas YouTube. S'il te plaît, ne me regarde pas YouTube. YouTube ne te met pas des trucs bien dans la tête, c'est pas vrai. Ils ne te mettent pas des trucs bien. Ils mettent en avant des mecs qui, par roublerie, foublerie en tout cas, vont mettre effectivement plus de likes et vont avoir du commentaire. Quand tu vois le niveau de l'émission, tu te dis, si mon gamin regarde ça, on gère toute la famille à une gastro, hein, ça c'est clair. Après, tu pars, tu fais tcha-tcha en spray. Hein. Ah bah oui, t'as pas le choix. Tu regardes cette merde, t'as la diarrhée. Bah évidemment, évidemment. Alors je sais que c'est graveleux et qu'on est en train de manger, mais c'est chaud quoi quand même. Merde, t'as des émissions. Attends, le mec, il parle de Forex, on dirait qu'il est cultivateur dans le Loiret, quoi. Et encore, vive l'amour et dans le pré. C'est fou, quoi, ces gens. Alors, l'agressivité de ce milieu. D'abord, pour être reconnu dans ce milieu, il ne faut pas que tu sois bon. Il faut que tu sois très méchant envers les autres. Très mauvais. Et il faut que surtout que tu t'allies avec des copains et que tu ailles taper sur un mec. Le seul mec qui te fait gagner, il ne faut surtout pas que tu y ailles. Ah ben non. Donc, pour pas que tu y ailles, en fait, on explique que le mec est un escroc. Jusqu'au jour où tu t'aperçois qu'après avoir fait le tour de toutes ces espèces de farfelus du web, tu reviens effectivement dans le Money Studio de la Genius Station et là tu dis merde, merde, j'aurais dû vous connaître bien avant. Tu vois ce que je... Bah oui, il y en a combien des comme ça, évidemment. Alors, il va falloir que tu fuis, absolument que tu fuis, c'est clair. Ceux qui se servent des gamins comme Ali ou je ne sais pas quoi, là, le mec qui a gagné par bol et qui explique que c'est parce qu'il a utilisé de la méthode de M. Tartampion, qui lui est simplement capable d'expliquer à tout le monde ce que tout a été dit déjà ailleurs, faut faire attention. Ce n'est pas parce qu'un gamin tente d'expliquer. Un gamin, c'est un mec de ton âge, loulou. C'est-à-dire que si toi, tu as 16 ans, tu as des mecs à 16 ans qui font des vidéos de trading en expliquant qu'ils te font un peu de PNL, un peu de PLS, un peu de gâteau à la farine et un peu de trading. Tu vois, s'il te plaît. Alors, le mot magique, c'est les mômes de 15 ans ou de 16 ans ou de 20 ans qui t'expliquent comment faire du mindset. À la limite, tout serait là. Tu comprends? Tout serait là. En fait, moi, qui joue comme une bille au football, je me défends, mais pas à un gros niveau, ça voudrait dire qu'en fait, là-haut, je pourrais débloquer le mode Zidane. Bien que moi, Zidane, c'est pas non plus mon master. Le mode Messi. Alors là, par contre, c'est ma star. Le mode Messi. Je pourrais, moi, débloquer le mode Messi. Hein, les mecs, ils te rappellent pas à l'époque, ils te disaient, tu mets ton téléphone sous ton oreiller, tu lances l'application, le lendemain, tu parles allemand, anglais, turc, le hongrois, je crois. Et le chinois, mais en verlan. C'est extraordinaire. Tu vois ce que je veux dire? Le truc, c'est qu'il faut arrêter de prendre les gens pour des cons. Il a le même âge que toi, mon chéri. Il a le même âge que toi, loulou. Il va rien t'apprendre. Il t'apprendra rien. Le seul truc, c'est que lui, il a trouvé le moyen de vendre les pelles alors que toi, tu cherches de l'or. Hein, tu vas l'étudier, celle-là. Lui, il vend les pelles quand toi, tu cherches de l'or. Hein, il faut que ça mouline quand même là-haut un petit peu parce que ça mouline pas, ça vaut cacahuète. Alors, ce que je veux dire, c'est que eux, tu me les bases, comme on dit. Hein, tu me les bases, tu me les jettes. À la limite, tu te marres, évidemment, mais tu ne les suis pas. Ben non, tu ne les suis pas parce que les mecs, ils valent cacahuètes. Hein, ceux qui te vendent des formations à 200 balles, à 300 balles, à 500 balles, à 1000 balles. Alors, ça fait partie des mecs les plus agressifs du web, bien évidemment. Ceux qui disent qu'ils n'ont pas de temps de faire une vidéo et qu'en font 10 contre ta gueule. Hein, clin d'œil à la chèvre, encore une fois, bien évidemment. Alors, il y a ceux qui t'encouragent à ouvrir un compte avec 100 euros. Mais un compte de broker dégueulasse à Chypre, à Malte, à Panama... avec la base arrière en Israël. Ces gens-là, en fait, je vais t'expliquer le business model. S'ils t'expliquent d'ouvrir un compte avec 100 balles, ils savent que la plupart d'entre vous ont 100 balles.
Donc, ça ne pose pas de problème. Le message, il va bien passer. Hein. Derrière, tu vas la sentir aussi passer, mais ce n'est pas les 100 balles que tu vas sentir passer. 100 balles, psychologiquement, les perdre, c'est pas grave. Donc, ils le savent. Je résume, 100 balles, beaucoup de monde ouvre un compte avec 100 balles parce que 100 balles, tout le monde a 100 balles. Et ensuite, si tu les perds, bah, c'est pas grave, tu n'iras pas faire un procès à Malte, à Chypre, à Panama ou en Israël pour aller dénoncer que le mec t'a volé 100 balles. Tu fais ça à 100 personnes tous les jours. Fais le calcul. Fais le calcul. T'as bien compris. Elle est là, la carotte. Eux, ce qu'ils veulent, c'est pas que tu gagnes, c'est que tu mettes 100 balles sur le compte. Quand tu perds, ils te rappellent, ils te renvoient un message, ils t'envoient un message privé, MDR, qu'est-ce que t'as foutu? T'aurais dû rester en position, remets 100 balles. Et toi, tu remets 100 balles. Ah, c'est du vécu, ça. Allez, vous allez les voir. Vous allez voir. En tout cas, vous verrez. C'est parler avec votre Jones. Je suis sûr qu'il a déjà fait le truc. Et s'il ne l'a pas fait en trading, il l'a fait en pari sportif. Hein. C'est là ou l'autre. Hein. Le mien, il ne fait pas mieux. Hein. Le mien, il a fait la même. Hein. Paris, alors, il a gagné une fois 50 balles, je crois, ou 100 balles en pari sportif. Ma parole, il marchait sur l'eau, le gamin. Hein. Il marchait sur l'eau. Hein. Il a ouvert la mer en deux. Hein, il est passé à travers. 100 balles, le môme. Hein. Bah oui, bah, faut leur expliquer. Quand ils ont 16 ans, 17 ans, 18 ans, faut bien leur expliquer que ce n'est pas ça, le pognon. Tu vois ce que je veux dire? Le fric, ce n'est pas ça. Et qu'avec 100 balles, malheureusement, tu ne fais pas grand-chose. Par contre, celui chez qui tu ouvres le compte et qui paye 150 balles, le mec qui fait de l'influence, bah forcément, lui, il se fait avoir. Alors, les réseaux marketing, hein, quand je te dis depuis tout à l'heure, la question, elle est vite répondue, ce n'est pas un hasard. C'est parce que le mec qui fait ça, ça a été dénoncé. Hein, mettre les seins de Nabila au premier plan pour essayer de vendre du crypto, il ne faut pas arrêter. Non, mais il faut arrêter, il ne faut pas rêver. On est bien d'accord. Il n'y a pas qu'elle. Hein, les joueurs de foot mythomanes qui vendent des t-shirts et qui après qui sont influenceurs, ça va, merde, à la fin. Emmène-le, ton gamin, emmène-le d'en venir chez nous. On va lui montrer, nous, ce qu'on fait, comment on le fait. Et puis, si jamais ça lui plaît, il continue. Si ça ne lui plaît pas, il arrête. Demain, tu lui sors 1 euro. Tiens, tu sais ce que tu fais? À ton gamin, tu sors 1 euro. 1 euro à ton gamin. Parce qu'il t'a pris la tête depuis qu'il a eu son bac. Il t'a mis le melon dans tous les sens. Il n'arrête pas de te saouler avec le trading. Ça fait 3 fois qu'il perd 500 balles. Demain, tu prends 1 euro. Tu t'abonnes à la Genius Station avec le lien que va t'envoyer Charlotte. Et puis, demain, il va voir ce que c'est qu'une journée de trading. Voilà. Au moins. C'est réglé. Alors, on va parler de la formation. Bah oui, parce que c'est vachement important. Alors, je te rassure, tu n'as pas besoin de sortir un ticket de 20-40 000 balles. Même, alors, la formation, elle est bien distincte. Hein, je vais te montrer. Elle est bien distincte. Tu as d'abord les mecs qui vendent que de la vidéo. Alors, ces mecs-là, 200 balles, hein, tout à 10 balles ou je ferme. Hein, tout à 10 balles ou je remballe, comme dirait le mec sur le marché. Alors, ils s'en foutent parce que la vidéo, elle est déjà amortie des milliards de fois. Il y a celui qui vend ça 2000 balles. Parce que sur Internet, sur YouTube, il a effectivement 20 000 vues et qui fait croire à tout le monde que c'est 20 000 vraies vues, hein, on est bien d'accord. Lui, il te la met profond à 2000, à 1990, parce que tu kiffes 1990. Ah bah, tu kiffes 1900. 2000, non. Hein, 2000, non. 1990, ah bah oui, 1990, ça passe. Alors, 1990, touf, c'est des PDF et de la vidéo. Le mec n'a jamais rien gagné, mais il s'est créé un monde. Parce qu'en fait, YouTube, c'est ça. YouTube, c'est le Walt Disney des Américains qui ont marché sur la Lune. Ah bah c'est exactement ça, on en parlera. D'ailleurs, on va se faire un débat. Alors, je vous l'annonce déjà, ça va être un débat un peu privé, parce que je voudrais qu'on fasse un débat sur l'élection américaine, l'élection française, mais qu'on y a et qu'on se lâche. Tu vois, on y va, on est dans le truc à donf, et on y va avec les complots, les pires complots du monde, ce qui s'est passé, ce qui risque de se... Si vous êtes intéressé, ce que vous faites, m'envoyez un petit mail. Comme ça, je vous inviterai en privé, on se fera un petit débat comme ça entre nous. C'est marrant ces débats-là parce qu'on a l'impression, tu sais, les mecs, alors, il suffit qu'un peu, ils en aient un peu dans le nez, alors là, ça part en vrille. Hein. Là, c'est strike à tous les étages. Hein. Là, tu parles, par exemple, je ne sais pas moi, Trump, le mec, il appelle déjà plus Trump, il appelle Prout. Hein, Prout va être réélu. Et là, tu te marres. Mais c'est ça, en fait, c'est vachement marrant. Donc, si un jour, tu es intéressé, tu fais info@traderalert.com ou info@geniusstation.com, tu nous envoies ça, on t'invite, c'est gratos, tu es mon invité. Alors, la formation, loulou, tu as 15 ans, 16 ans, 17 ans, 18 ans, 19 ans, 20 ans, tu auras toujours des plus balèzes autour de toi, c'est évident, mais les plus balèzes, ce n'est pas les mecs qui disent qu'ils le sont, c'est les mecs qui le montrent et c'est les mecs qui ont plus de fric que toi. Ah bah oui, c'est la jungle dans les marchés financiers. Comment, tu ne sais pas? Ah bah je t'explique. Le mec qui te fait, viens chez moi, amène tes 100 balles, t'es milliardaire à la fin de la semaine. Je peux te le faire en rap, sur un beat à la Eminem, ce que tu veux. Lui, en définitive, il n'en a rien à taper. Tu sais pourquoi? Parce qu'avec 100 balles, forcément, si tu joues comme un fou et que tu emmènes effectivement de ce qu'on appelle du full marge, tu vas te faire rincer. En fait, les marchés ont besoin, hein, des comme ça, ou de l'autre à OZIU, ils en ont besoin.
t'es de la viande fraîche au départ. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les marchés financiers, c'est un jeu à somme nulle. Alors, les puristes, mathématiciens, qui vont me calculer l'hypothèse que A fois 2 au carré divisé, on n'en a rien à taper. De manière générale, il faut que tu comprennes que les perdants donnent le fric aux gagnants. Point. Il n'y a pas un mec qui met un saladier et qui rajoute de la thune au milieu. Quand tu perds de l'oseille, c'est le mec qui est en face qui te l'a ramassé. Le problème, c'est que sur la plupart du temps, c'est ton broker qui le ramasse, ton pognon. Donc ça, je te l'explique, viens dans la Genius, viens chez moi, j'habite chez une copine, on est bien en tout cas, c'est clair. Tu vois, tout ça, tu ne l'apprends pas avec non, tu ne l'apprends pas, non. C'est parce qu'il a un beau t-shirt. Non. Demande à Léo. Léo, il a fait du CFD. Chaque fois que je lui dis CFD, il part aux toilettes. Demande-toi pourquoi. Ben oui, évidemment. Alors, encore une fois, la formation, c'est apprends à passer un ordre. Moi, mon gamin, il m'a dit « Ouais, papa, forme-moi, je veux devenir le trader of the world of the universe. » J'ai dit « Loulou, avant d'être un trader of the world of the universe, je vais t'apprendre à acheter correctement. » Alors, je vais faire le vieux. Je n'ai pas envie, mais je vais faire le vieux. Il faut vous apprendre un truc. Dans la vieille France, c'est-à-dire il y a une quarantaine d'années, ou une cinquantaine d'années, ou même 100 ans, ou même 80 ans, quand les parents éduquaient les enfants, ils leur apprenaient à consommer correctement. Je ne parle pas d'investissement. Je parle d'acheter à manger aux meilleurs endroits, aux endroits les plus sains, sans pour autant dépenser de manière trop simpliste ton pognon et en faisant attention de ne pas te faire avoir. Cette notion-là, elle n'existe plus. Moi, mes parents m'ont appris à acheter raisonnablement les choses. Je les ai vus aussi se priver. Moi, je ne suis pas issu d'une famille de nantis. Mes parents ont fait les choses, et je les en remercie, grâce à Dieu, de façon à me montrer ce qu'il fallait dépenser de manière intelligente et pas cramer le pognon, parce que le pognon, c'est dur. C'est pas facile, c'est dur. Hein? On m'a mis dans les mains le métier de commerçant, ça aussi, tient ça de mes racines. Quand je dis commerçant, c'est trader. Bah oui, commerçant, trader. Les mecs me disent, Luc, t'es un vendeur. Il y en a un autre qui m'a dit, je suis un showman. Bah, si je suis vendeur et si je suis showman, je mets un barnum au marché. Mais pas le marché comme dehors. Le marché dedans, inside. T'as plus besoin d'aller travailler pour Saint-Ger en ayant froid. Et, tu vois le truc, t'es inside et tu fais du blé. Parce que la vérité, c'est que c'est vrai que c'est fait pour faire du blé. C'est ce que je veux dire. Alors, l'histoire de la formation, arrête avec ça, arrête, s'il te plaît, arrête. Parce que de toute façon, là où tu vas être fort, c'est quand tu vas te mettre derrière le poisson pilote. La plupart des jeunes, ils veulent être devant le poisson pilote. Alors qu'en définitive, il faut être derrière le poisson pilote. T'as pas fait de finance ou peu à l'école, viens au Money Studio. Je t'explique tout ce que tu dois savoir. Exactement la finance, ce qu'on appelle la macroéconomie, la géopolitique qui influence les marchés. Et je te garantis que ça marche 9 fois sur 10. Tu ne me prends pas ? 1 euro. Sors 1 euro. Charlotte, 1 euro. Voilà, 1 euro. 1 euro. Voilà, c'est pas compliqué. 1 euro. Voilà, tu viens, demain, 1 euro, tu viens et je t'explique tout. Comme ça, au moins, c'est réglé. 1 euro, tu as le droit. Hein. 1 euro, tu n'es pas obligé d'aller péter ton PEL à la banque. Tu prends 1 euro. C'est ce que je veux dire. Alors, on va apprendre à passer un ordre. Et quand tu sais passer un ordre, la plupart du temps, tout de suite après, tu apprends à le cracher. Parce que si tu écoutes ton broker, lui, il veut que tu mettes un stop. Ah bah oui, un stop loss. Évidemment, stop loss. Tu vois ce que je veux dire ? Stop loss. Il te le dit avec l'accent. Là. Oh, on draws the top stop loss. OK, put the stop loss on your chart. You understand what I mean? Okay, put on the sell. Yeah, all right. You don't risk anything. You have the stop loss. Hein, j'ai fait des t-shirts. I draw the stop loss, tu vois. I put the stop loss. Faut arrêter les conneries, c'est pas ça le trading. Parce que si tu te fais former par des brokers, t'es mort. Ah bah tout, 100%. Hein. 100%. 100%, t'es mort. Les brokers qui te mettent, je te forme, et quand tu regardes en bas de leur page d'accueil, il y a marqué 70% perdent de l'argent avec eux. La question, elle est vite répondue. Putain, lui, c'est un peu comme Nabila. Hein. T'es une fille, t'as pas de shampoing. Ah bah lui, il a pété les scores. C'est au moins, c'est réglé. Alors Paul, si t'es pas insider ou initié, impossible d'être rentable sur la durée. Moi, je veux te faire mentir. Paul, je veux te faire mentir. Tu viens demain. Hein, tu viens demain, tu risques 1 euro. Tu viens, je te fais gagner. Ah bah, demain, je te fais gagner, Paul. Je te fais gagner sur ce que tu veux. Hein. Du forex, du futur, de la QNX, de la commodity, petit clin d'œil à Alexandre qui est avec nous tous les mercredis aussi et une grosse accolade à Stéphane que j'aime énormément et qui lui maintenant s'adresse directement au gestionnaire de patrimoine. Ah, tu ne le savais pas ? Tiens, regarde-moi les blaireaux. Regarde-moi la tripotée de cons. Alors évidemment, tu as compris qu'il ne faut pas aller là-bas, évidemment, tu as compris. C'est ça, tu vois le monde dans lequel on vit, c'est ça. Tu vois ce que je veux dire ? Au moins, ça vaut zéro.
Alors, se former, t'apprends à passer un ordre. C'est ce que je suis en train de lui expliquer à faire. Ah ben, tu crois que c'est facile? C'est pas vrai. Je te garantis que c'est pas vrai. C'est pas du tout facile de passer un ordre. Alors, évidemment, si t'écoutes les mecs, comme ceux qui ont été notés là, qui disent tu cliques là ou tu cliques là, évidemment, ils vont te dire c'est facile. Moi, je te garantis, et des mecs que j'ai formés il y a quelques temps, aujourd'hui, ils me rappellent pour savoir comment cracher un ordre. Parce que passer un ordre, c'est bien. Cracher un ordre, c'est aussi bien. Et cracher un ordre, ça veut pas dire perdre. Ça veut dire aussi gagner. Et ça s'apprend. Et je te garantis que mon fils, il ne passera pas d'ordre en réel tant qu'il ne sera pas passé un ordre correctement et craché un ordre correctement. Et après, c'est moi qui finance le compte. Hein, la machine, les clés de la machine à baffe, c'est moi aussi qui les ai. Donc voilà, il n'a pas intérêt à se planter. Il y va quand même de la réputation, quand même, de, voilà, de la famille, quoi. Oh, la famille. Oh, doum, mais la famille. On ne va quand même pas perdre avec le jeune. Hein, quand même. Merde alors. Hein, allez, on finit. Pour réussir en trading, c'est clair. On va apprendre à bien se comporter. Je gagne trop ou je perds trop. Hein? Je gagne trop, je perds trop. Moi, c'est réglé. Putsch, alors il dit un truc intéressant. C'est un coup à se faire bouffer 30% du compte sans SL. Pourquoi 30? 100% Putsch. Alors je te mime, regarde le truc. Hein? J'ouvre une position. Ma gonzesse m'appelle. Je me barre dans la chambre pour lui parler pour éviter que mes parents m'entendent. Je reviens. J'ai pas mis de SL, je suis mort. Évidemment, je suis mort. Tu ne vas pas apprendre ça à ton gamin, Putsch. Tu ne vas quand même pas te faire l'adage des brokers, quand même, Putsch. Tu as compris que quand tu rentrais en position, ta position, elle était dans ton œil droit, dans ton œil gauche. Et même à l'épicer, tu prends une bouteille vide. On n'en a rien à foutre, tu ne te lèves pas. Si tu dois te lever, tu breaks et tu sors. Tu vois, tu breaks et tu sors. Sur les marchés, ça s'appelle être flatten. Hein? Flatten. Hein? Vite, vite, allez, maintenant, flatten. Comme ça, ils le diront dans une émission demain ou après-demain. Ils le ressortiront. Hein? Ben oui, parce qu'ils ne connaissent pas tous ces trucs-là. Flatten. D'accord? Donc, non, Putsch, non. Tu peux ne pas mettre de SL et ne pas perdre en bourse. Hein, je regrette. C'est que dans les comptes avec la belle au bois dormant ou le petit chaperon rouge. Hein, on est d'accord. Alors, bien se comporter. Je gagne trop, je ne gagne pas assez. Pas de formation gratuite. Tu as compris que si c'est du gratuit, c'est toi qui le produis. Il faut arrêter. Alors, la règle d'or pour un jeune qui démarre, contente-toi de peu. Et se contenter de peu, c'est souvent beaucoup. Parce qu'ils oublient la multiplication. Les mecs, ils ont fait pas plus 5, mais ils ne savent pas multiplier. Ils savent diviser, mais ils ne savent pas multiplier. Hein? Tu fais ça tous les jours, tu regardes ce que tu gagnes à la fin du mois. Et crois-moi, je préfère faire un peu tous les jours qu'une fois beaucoup, deux fois pas beaucoup, mais même zéro et même perdre, et avoir perdu 5 kilos à la fin de la journée. Je te garantis, hein, ça c'est clair. Luc, ce n'est pas possible. Tu ne peux pas nous dire que tu t'arrêtes un peu. Ben, si, parce que quand tu fais des futurs, tu as deux modes. Tu as le mode réel et le mode simulation. Comme ça, quand tu as fait un peu d'oseille en mode réel, tu peux passer en simu, ça permet d'évacuer ton côté stress et adrénaline. Ah bah, tu ne le savais pas, bah non. Putsch, tu sais comment font les pros qui ne mettent pas de SL, tu ne sais pas? En fait, ils mettent ce qu'on appelle une limite de perte en capital dans la journée. Je te l'explique parce que personne ne te l'expliquera. Bah non, ce n'est pas des traders. Ah bah, tu penses que l'autre qui nous parle de Trump et qui ne connaît pas une bille, lui déjà, l'économie, il l'a appris dans un papier de lessive. Donc, ce n'est pas pour t'expliquer qu'en définitive, tu peux faire une perte maximum de capital quotidienne. Ça veut dire qu'imagine, il se passe n'importe quoi. Plus d'Internet. Ta voisine, elle a capté toute la bande passante pour aller voir la gonzesse qui la prend à maquiller. Ben, ce n'est pas grave. Perte maximum de capital au quotidien. Tu te mets une petite perte maximum de 1 ou de 2%. Peut-être, après, c'est à toi de décider. Tu vois, c'est réglé. Non, pas besoin de la programmation avant-garde. Si tu veux faire de la programmation, tu changes de métier. Tu deviens programmeur, développeur, informaticien. Mais tu n'en as pas besoin. Alors évidemment, si tu as un peu de notion en Python, ce n'est pas à dégueuler. Parce que quand tu veux travailler dans une salle de marché, il faut quand même que tu programmes tes macros. Et les macros, ce n'est pas sous Excel, hein, parce que, ou ce n'est pas les macros chez le poissonnier, ce n'est pas vrai. Mais si tu fais un petit peu de Python, tu peux lancer certains algos qui te permettent de gagner du temps. C'est ce qu'on fait dans la Genius. Tout ça, je te l'explique. Moi, je serais super content si j'ai 5, 10, 15 gamins qui demain sont avec moi dans la Genius, à qui j'apprends ce que je sais, et qui viennent en plus au Money Studio. Mais moi, j'adore, moi, des gamins qui viennent avec mon fils, qui, pourquoi pas, un jour prendra peut-être le relais en expliquant Léo, lui, les crypto-monnaies. Léo n'est pas mon fils, mais mon fils pourrait parler du Forex. Ah bah oui. Ça pourrait être fabuleux. Alors lui, il va te la faire casquette à l'envers, parce qu'il est casquette à l'envers. Bon, heureusement, il n'écoute pas du Joule, mais il est casquette à l'envers. Voilà, au moins, il vient de siffler en plus. C'est le mot qu'il ne fallait pas dire, ça. Au moins, c'est réglé. Alors, rapidement pour finir,
il faut savoir se contenter de peu, parce que peu, c'est déjà beaucoup. Ça, c'est la première règle. Il faut pouvoir partitionner. L'histoire, bien évidemment, ce n'est pas simplement que d'être en réel, mais c'est de faire un peu de réel, un peu de simu, t'as compris. Se former, c'est savoir passer un ordre et savoir le cracher. Si tu sais faire ça, tu as déjà bien gagné. Hugo, tu nous reprends la caméra à bras, s'il te plaît, parce qu'on va finir avec le Père Noël, tiens. Est-ce que tu peux revenir les... Tiens, bah toi, tu vas le faire. Léo, prends-nous la caméra à bras. Parce qu'Hugo, moi, il est parti. Je vais vous montrer un truc. Parce que la plupart du temps, les gens disent qu'il faut beaucoup d'argent, ne serait-ce que dans le matériel. Et je vais vous montrer un truc que j'ai trouvé, qui est absolument fabuleux, que je veux vous montrer ce soir. Et pour un Jones qui démarre, ça peut être un excellent cadeau de Noël. Un euro, hein, pour la Genius. Et je vais te montrer quelque chose. Voilà. Hugo qui arrive, qui va sortir la cam. Léo qui est là. Tiens, Léo, on peut voir Léo à la caméra. Regarde Léo. Léo, il est arrivé il y a moins d'un mois. Hein. Regarde. Léo, il rêve tous les jours. Il est en exulte tous les jours. Il voit ce qu'on fait. C'est juste incroyable. Un petit coup de pub et je te montre ce que j'ai moi acheté ce week-end pour bosser quand je suis en déplacement. Regarde. Kleenex, l'émission va bientôt se terminer. Moi, j'ai passé en tout cas un excellent moment avec vous. Si j'ai apporté une toute petite pierre à votre édifice, en tout cas, j'ai déjà fait le taf. Viens, je te montre. Viens, regarde. Ça, tout le monde en a un. La top, tout le monde en a un. Ça, c'est tout nouveau. Hein, c'est tactile. Ce qui veut dire que tu peux travailler comme les grands sales dans les salles de marché avec la Genius qui est branchée dessus. Hein, regarde, c'est là, c'est tactile. Tu peux voir Léo, tu peux voir Luc, bien évidemment, aussi. Tu peux ouvrir tes graphiques, c'est-à-dire voir tes graphiques en plein écran de façon à suivre les traders alertes et bien évidemment les stratégies qui sont données. Ça, c'est évident. Tu peux tout faire, absolument tout faire. Regarde, ça ne pèse rien. Tu peux le mettre dans les deux sens. Ça, c'est reconnaître le mode rotor. C'est beau comme tout. C'est un écran qui permet de voyager. Ce n'est pas plus gros qu'un iPad. C'est une résolution de malade. C'est super fin, super léger. Moi, j'ai ça sur mon bureau, je te jure, je flambe. Hein, là, vraiment, c'est le kiff. Et quand tu es en déplacement, quand tu traites depuis ton ordinateur, tu n'as pas besoin de partitionner l'écran, tu as ton écran qui est juste à côté. Ça vaut moins de 500 balles, ça. Si tu es intéressé, t'envoies un mail à info@traderalert.com ou info@geniustradeunionstation.com. Je te donne la référence, je te donne tout. Ça, c'est top. C'est vraiment génial. Je voulais te le montrer parce que si à Noël, tu cherches effectivement quel type de cadeau tu vas pouvoir demander, demande ça. Et puis, offre-toi un petit coup de Genius. La Genius, c'est à partir de 199€ la semaine. 1€ pour découvrir, 199€ de la semaine. C'est amorti dans les deux premiers jours et puis après, il te reste la fin de semaine pour pouvoir faire du beurre, du bonheur. Ça va Léo? On finit ensemble. Tiens, reste avec ta caméra. On finit ensemble. Léo, on va se le dire ensemble. J'espère que cette émission vous a plu. Léo, c'est quelqu'un de vraiment très bien. Il a beaucoup d'énergie, beaucoup d'endurance. Il est là, il est même plus longtemps que sur la télé que moi. Il anime les émissions tous les jours. Il est fasciné, il adore le trading, il était d'abord client, il est devenu salarié de la société Genius. Cette société Genius pour laquelle d'ailleurs vous pouvez devenir actionnaire, si ça vous intéresse, 09 80 08 20 11, 09 80 08 20 11.
Si tu ne sais pas ce que c'est la Genius, c'est la première plateforme de décision boursière poussée par l'intelligence artificielle, le deep learning et le machine learning. Bah oui, c'est ça la Genius. On le dit ensemble ? Si vous avez aimé, likez, envoyez bouler les partagez. Autres. On n'en a rien à foutre. Les autres, on s'en fout. C'est clair. Take care, Léo. Tchuss. Enjoy. Ciao, bye bye. Bye bye.